réaliser du biscuit progrès. Pour cela, j'ai besoin de 350 g de blanc d'œuf, 250 g de sucre semoule, 125 g de poudre d'amande, 125 g de poudre de noisette et 50 g de farine. Comme précédemment pour le biscuit succès, je vais monter les blancs en y incorporant un petit peu de sucre pour les serrer. Pendant que les blancs vont monter, je vais tamiser l'ensemble sucre, poudre d'amande, poudre de noisette et farine. Donc je procède au tamisage du mélange afin de pouvoir l'incorporer dans mes blancs montés. Les blancs d'œufs sont montés fermes. Et je vais procéder à l'incorporation du mélange farine, sucre, poudre d'amande et poudre de noisette. Le biscuit progrès est prêt à être dressé. Je vais maintenant enfourner le biscuit progrès dans un four à 180 pendant une dizaine de minutes. Les fonds de progrès sont maintenant cuits. On pourra les utiliser pour faire des petits gâteaux. Thank you.